Partagez la vidéo au maximum, partagez la vidéo parce qu'il y aura un débat. Partagez la vidéo au maximum, s'il vous plaît, je n'ai pas assez de temps. Juste quelques minutes pour discuter. Faire un débat étant qu'intellectuel. Parce que tout le monde débat maintenant sur le COVID-19, sauf des Congolais. Donc, partagez d'abord la vidéo et puis nous allons discuter sur ces fameux virus qui sèment la terreur dans le monde entier. Et puis, on aura le temps de parler pourquoi l'Afrique n'est pas vraiment beaucoup submergée ou beaucoup plongée dans les chaos. Donc, vous êtes là, je suis bien content qu'on puisse parler de cette vidéo explicative, discuter, faire des explications. Et je vous demande que de partager la vidéo au grand maximum. C'est ce que je vous demande. Et puis, j'essaye de recadrer un peu ma vidéo. Et puis, on doit se lancer d'ici là, une minute à une autre. Ne vous en faites pas. En attendant qu'Ofé Lomidé peut nous chanter un bon morceau. Et puis, on aura même le temps de parler sur le fameux concert de Fally Ipupa du 28 février. Parce qu'il y a eu énormément de gens qui se sont succombés ou qui sont morts du COVID-19. On dit que voilà, Fally Ipupa était au courant de la maladie, de l'épidémie. Il avait même porté le masque avant le concert. Et après le concert, il s'est lavé le main à tout moment. On va y revenir là-dessus. Donc, il y a de quoi éventrer le bois. Je vous demande que de partager la vidéo au plus maximum. Et c'est hyper important parce que moi, je ne le fais pas. Et du coup, je vais arrêter la musique pour commencer cette belle vidéo intellectuelle. Je vais porter d'abord... Je vais porter mon micro, ne vous en faites pas. Je vais porter le micro, ne vous en faites pas. Ouais, le micro. Et si vous m'attendez très bien, vous lancez de cœur pour me signaler que le micro est bien installé. Donc voilà, parce que moi, je ne fais pas attention de mon micro, hein. Je le mets ici. Je le mets ici, partagez la vidéo au plus maximum. On est tous confinés chez nous. Voilà, il y a deux uns qui essayent un peu de sortir dehors. Bon, voilà, je serai bilingue, si vous voulez bien, à la fois lingala et français pour une compréhension collective. Je ne vais pas démarrer ou rester en français parce que d'abord, du coup... Et beaucoup de gens me demandent, mais pourquoi tu fais des vidéos en français? Il y a Lingala, il y a Swahili, il y a Chiluba, il y a Kikongo, et je parle les quatre langues nationales. Donc, j'ai la facilité de vous expliquer ou de faire une vidéo explicative, soit en Swahili, soit en Lingala, soit en Kikongo, soit en Chiluba. Donc, j'ai vraiment cet avantage. Bon. Je mérite aussi que les autres gens qui ne sont pas congolais, voilà, puissent me suivre à travers cette vidéo. C'est pour cela que je la fais en français. Donc voilà, je reviendrai un tout petit peu en Lingala ou quelques phrases en Swahili, en Chiluba, si vous voulez bien. Donc nous allons faire ceci. On va faire un chemin ensemble, une route ensemble. Voilà. Et dans cette vidéo, vous allez commenter, vous allez poser des questions et des gens qui ont des réponses répondent par des réponses orales. Et puis moi, j'essaye un peu de commenter et puis nous allons aller très vite. Si j'avais deux téléphones, j'allais mettre un numéro de téléphone pour que vous puissiez appeler. Bon, de toutes façons, deux minutes, je vais essayer de mettre un numéro de téléphone par lequel vous allez poser vos questions en ligne, voilà, pour une bonne compréhension, qu'on puisse vraiment bien partager cette vidéo. Attendez-moi une minute que je récupère un téléphone.
Bon, je suis de retour, les amis, ne vous en faites pas, j'ai le micro, ne vous en faites pas. Voilà, je suis de retour malheureusement, et je cherchais le fameux téléphone, mais malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Ne vous en faites pas, prochainement, je mettrai un numéro en ligne discuter en mode live avec tes appels téléphonique. En attendant, j'arrange un tout petit intrigue. Kofi Olomide va nous faire un moxo. Donc, ne vous en faites pas. En attendant, j'arrange. Essayez de partager la vidéo au maximum parce que on va discuter. Il y a de quoi éventrer le bois. On va discuter. Donc, voilà. Et on est là. Il fait beau. Hein? Il fait vraiment beau avec la canicule à 28 degrés, c'est la même température qu'à Kinshasa. Donc, il fait très, très, très beau ici à Paris. Il y a des gens qui essayent de commenter. Il y a Pierre Legrand qui a dit, oui, c'est chaud, papa. Oui, il fait chaud. Il a encore rajouté, tu ne pouvais pas te préparer avant, Ndeko. Non, t'inquiète, ça c'est une vidéo, ce n'est pas une émission. Ne t'en faites pas, on est là, on peut commencer cette belle vidéo, mesdames et messieurs. Je vous salue, je vous dis bonjour. C'est encore votre humble serviteur, l'analyste politique et économique, Sapo Louboué. Voilà, appelez-moi Google comme vous voulez. C'est mon pseudo que les gens aiment ou préfèrent m'appeler Google comme moteur de recherche. Voilà, vous avez des questions, j'ai des réponses. Ne vous en faites pas, vous ne serez jamais dessus. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? Le sujet est le fameux virus qu'on appelle COVID-19. Et il y a une personne qui s'appelle Marie-Ange, depuis Cameroun, m'a envoyé une question sur mon MIR, m'a demandé c'est quoi COVID-19. COVID-19, d'abord, le COV, c'est le virus en question. Le virus s'appelle le COV, c'est-à-dire le coronavirus. Voilà, on a coupé le mot pour créer le COV. Mais on a ajouté la date de l'apparition de ce fameux virus. Comme sa date de l'apparition ou bien sa date de naissance était en 2019, on ajoute tout simplement COV-19, c'est-à-dire coronavirus 2019. Voilà, l'explication est claire. Comme je vous ai dit au départ, vous ne serez jamais dessus. Il y a Jeannette Jikafoul qui dit salut à toi aussi. Je vous salue et je vous embrasse tous. On est là depuis Paris, ça chauffe. Il fait très beau à Paris, 28 degrés, jamais enregistré en pleine saison d'hiver. Donc on est là, comme je vous ai dit, mon nom est Sapo Louboué. Je suis analyste politique et économique sur la chaîne YouTube Tolo Belavi, avec un grand journaliste que je salue de passage, Papi Gen, Yesukanamoto. Donc voilà, je n'ai pas le temps de fouiner par-ci par-là pour acquérir des informations. Je m'appelle Google. Toutes les informations du monde sont ici dans mon cerveau. Ne vous en faites pas, vous ne serez jamais dessus. Alors, parlez-en, comme c'est mentionné dans sur la rubrique ou sur le titre qui est là. Comme je vous ai dit, le COVID-19 signifie le virus coronavirus de 2019. On a abrégé le terme COV et on a ajouté 19 comme la date de naissance de ce fameux virus 2019 et ce qui donne COVID-19. Voilà la définition. Et simple, que personne ne vous trompe. COVID-19, ça signifie nanani nanana. Alors, le problème
Le problème, comme je vous ai expliqué avant, je suis biologiste de formation. OK? Je suis biologiste de formation. Je fais la biologie chimie aux humanités et je fais la cytologie et la biologie au niveau de l'université. J'ai travaillé 7 ans dans la Croix-Rouge congolaise comme bénévole, voilà, étant que laboratoire dans un grand centre à Lingwala. Et puis, j'avais une cellule à gérer moi-même dans la commune de Ndjili, quartier 7, sur l'avenue Tombe. Ceux qui me connaissent savent ce que je le dis. Alors, j'ai travaillé un peu beaucoup dans le monde. J'ai voyagé beaucoup de pays du monde. Canada, États-Unis, France, Allemagne, Maroc, Tunisie, Égypte, Syrie, Turquie, Grèce, Mali, Bakarabankoura, Sénégal, Nigeria, Tokoumbo, Bambosé. J'ai voyagé comme un oiseau. J'ai voyagé. Or, qu'il y a un adage qui dit, lorsqu'on voyage, on découvre, on se cultive et on devient intelligent. Voilà, c'est ce que moi je fais. Durant 10 ans de ma jeunesse, je ne faisais que voyager, voyager. Il y avait un moment, la folie de l'argent, la folie du business. Voilà, les voitures, l'argent, le voyage. Et cette période était vraiment une folie à consommer avec modération. Ne vous en faites pas, on est là. On parlera toujours et on continue toujours à parler sur le fameux COVID-19. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a toujours des explications des scientifiques par-ci, par-là, voilà. Il y a Pierre Legrand qui me demande c'est COVID ou COVID? Mais c'est COVID ou COVID? Moi, j'abrège. Je coupe le mot. Covid ou Cov, c'est la même chose. C'est comme si on dit Renault, moi je dis Ré. Ré 20, Ré 19, c'est pareil. Comme si ton nom est Pierre Legrand, je dis seulement Père. Ou je coupe Pi. Ou Pi, ou Pierre. Donc c'est toujours ton nom. Et c'est comme ça qu'on a réalisé pour obtenir le mot. Le mot ou le nom qu'on peut appeler facilement sur le corona. Donc le vrai nom du virus, c'est le coronavirus, le vrai mot. Donc ne pas faire des amalgames ou bien chercher de midi à 14h. Le mot approprié sur ce virus, c'est le corona. C'est le corona virus. C'est comme le mot approprié sur le VIH, c'est le sida. SIDA. Donc, c'est comme ça. Donc, alors, pour ne pas aller loin, ils ont inventé ou créé des raisons, des prétextes, soi-disant, et ce fameux virus est sorti des animaux, d'un pangolin, de chauves-souris. Voilà, ce sont ces animaux qui sont des agents vecteur ou déjà de porteur de ces virus, dont quelque part un homme affamé a acheté sa bonne viande ou a mal manipulé l'animal, et puis il était atteint, et c'est par là le virus s'est propagé facilement dans la nature. Les gars, soyons intelligents. Comme je vous ai dit au départ, je suis biologiste de formation. Je suis cytologue. Donc j'étudie tout ce qui est microbes de la cellule animale et végétale. Donc c'est vraiment mon domaine à moi. C'est vraiment mon domaine, que personne ne vous trompe. C'est mon domaine. Les cellules du corps n'acceptent pas un corps étranger puisse se réfugier à l'intérieur d'eux. Sauf que le virus qui se réfugie dans les cellules du corps. Alors, pour tuer le virus, il faut commencer à tuer les cellules du corps pour obtenir une bonne guérison. Le vaccin, tout le monde parle de vaccin, mais le vaccin, c'est quoi? Le vaccin, c'est une maladie créée pour combattre une autre maladie. Point barre. Il n'y a pas 4, 5 définitions. Lorsqu'on fabrique un vaccin, on cherche un germe. Un germe, c'est-à-dire un soldat fort qui peut tuer un autre soldat d'un autre camp. C'est ça le vaccin. On peut retirer une maladie, par exemple, on peut retirer
On peut retirer le venin d'un serpent qui est mortel pour en fabriquer un vaccin pour lutter contre les morsures des serpents. C'est ça le vaccin. Le mot vaccin, c'est ça. Lorsqu'on dit c'est vacciner, c'est-à-dire se prévenir contre une maladie, contre une épidémie. Une épidémie, c'est une maladie contagieuse qui sévit dans une zone déterminée. Mais lorsque ça devient planétaire, ça éparpillé un peu partout, ça devient une endémique. C'est-à-dire, une endémique, c'est toujours une épidémie au grand échelle. C'est-à-dire, qui essaye un peu d'aller plus loin en dehors de ses frontières. Donc, c'est ça la différence. Alors, lorsqu'on parle du virus, le virus en biologie, c'est une énigme biologique. Pourquoi énigme? Une énigme, c'est quoi? C'est d'abord quelque chose qui est difficile à comprendre, difficile à résoudre. Là, c'est en biologie. Il y a Pierre qui dit frère. Bon, comme tu veux, voilà, comme tu veux. Le virus, c'est une énigme biologique. Que personne te dit, voilà, il va aller tester un virus sur, je sais pas moi, quel ordinateur, quel microscope. Non. On étudie un virus avec un microscope au électronique à 1000 kilos. Je dis bien un microscope électronique à 1000 kilos, c'est-à-dire à une tonne, difficile à manipuler. C'est ce genre de microscope qu'on étudie de virus. Alors, si vous êtes atteint d'un virus, le virus pénètre d'abord dans vos veines, dans le sang, et puis se cache directement dans vos cellules du corps. On a plusieurs types de cellules du corps. On a des cellules vivantes et on a des cellules mortes ou inertes. Donc, quand vous prenez par exemple vos CV, lorsqu'on les coupe, vous ne sentez pas mal. Parce que les cellules qui sont dans vos CV, ce sont des cellules inertes ou des cellules mortes. Mais lorsqu'on vous essaye de déchirer la peau, vous sentez très mal parce que des cellules qui sont dans votre peau, ce sont des cellules vivantes. OK? Alors, le virus se cache dans les cellules du corps. Il y a Pierre le Grand qui dit, frère, pas nécessairement. Mais t'aimes, voilà, les abréviations. Bon, voilà, on n'est pas là, on discute d'abord. Alors, il y a mon ordinateur qui se redémarre. Alors, dire que voilà, ce fameux virus vient des animaux, voilà, des animaux. Et il y avait un mec dans un marché en Chine qui avait mal manipulé le pangolais et les chauves-souris, et du coup, il était atteint du virus. Non. Vous savez bien, dans l'air, dans la nature, il existe plusieurs microbes, plusieurs sortes de microbes qu'on appelle des microbes libres. Et il existe aussi dans le microbe libre des microbes que nous appelons des microbes saprophytes, des microbes qui profitent au détriment des autres microbes. Vous prenez par exemple le bacille typhoïdique ou le bacille tétanique. Les gars, lorsque je vous ai dit que le COVID-19, c'est une arme chimique qui s'est déclenchée automatiquement dans un laboratoire chinois, j'avais raison. Il y a des gens qui me disent, ah ben non, il n'y a aucun virus qui circule dans l'air. Si, mais pourquoi pas? Si, la tuberculose, avec ces fameuses bactéries qu'on appelle le bacille typhoïdique, circule dans l'air. Circule dans l'air, que personne ne vous trompe. Sa contagion est directe avec la personne qui est porteur de ces virus, de ces bactéries, à moins de 30 mètres, 30 cm, donc très proche. Et la contagion du COVID-19 est directe avec la personne qui est porteur à moins de 30 cm. C'est pour cela on vous demande d'être à une distance d'un mètre par rapport aux autres. Mais les autres ne sont pas des porteurs de ce virus. On est tous des victimes. C'est comme un criminel en série qui cherche son prochain victime. Donc, il ne sait pas qui va tuer, qui va passer sur son chemin. Il est quasi ignorant de ce qui lui-même attend demain ou devant lui.
Donc, c'est pareil avec ce fameux virus qui est une arme chimique, une arme biologique que les Chinois ont mal manipulée. Voilà. On parle aussi de la démographie. La démographie, lorsqu'on mesure une surface par rapport au nombre d'habitants, c'est-à-dire les estimations, en quelque sorte, on donne par exemple 100 km pour 200 personnes. OK? Alors, lorsque vous dépensez les 200 personnes, ou vous deviendrez par exemple 400 personnes sur une surface de 100 km, alors il y a une loi. Il y a une loi de la nature qui est aussi pour les animaux, qu'on appelle la loi de la nature. C'est-à-dire, la loi de la nature consiste à équilibrer les espèces qui sont dans la forêt par rapport au territoire qu'ils gèrent. OK? C'est pour cela que vous allez voir, même quand vous suivez des documentaires animaliers, vous allez constater une chose. Lorsqu'une lionne, parce qu'il se pour nourrir ses enfants et pour nourrir son amas. OK? Lorsqu'une lionne chasse ou une guépard, observez bien. Il ne chasse pas un animal en forme. Il chasse toujours un animal qui est malade. Soit un animal qui est déjà vieux, il n'arrive plus à courir. Elles vont, bon, je parle des animaux femelles, elles vont tout faire pour écarter cet animal des autres cheptels et l'isoler, le tuer facilement. Et pourquoi? Pour laisser les animaux qui sont en forme, qui sont en bonne santé, de continuer à vivre pour que la chair ou la viande continue toujours à être servie sur leurs assiettes. Alors, il y a Pierre Legault qui a encore commenté, il a dit, pardon, c'est quoi la loi de la nature? Oui, mon doudou. Oui, la porte. Ah, attention, il faut faire très attention. La télécommande. Je n'ai pas la télécommande. Allez chercher ça là-bas. Allez, quittez ici. Il y a des ordinateurs. Il y a beaucoup d'appareils ici. Quittez, 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 quittez. J'ai dit quittez. Après, on verra ça après. Donne-moi 10 minutes. Allez, 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 allez. Allez, Papa, vite. C'est pas ce livre. J'ai dit allez, c'est un livre d'anglais. Allez, 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 allez. Allez. Alors, excusez-moi pour ce petit dérangement de mes enfants. Alors, il y a Pierre Legault qui demande c'est quoi la loi de la nature. Je parle de la loi de la nature qui est un équilibre naturel. C'est-à-dire, on parle de la démographie. Et je vous ai donné un exemple par rapport à la loi de la jungle où le fort domine le faible, mais le fort protège aussi le faible pour que la nature puisse être toujours remplie des animaux, des trucs comme ça, des plantes, nanana. Alors, dans ce monde aussi, monde des humains, dans la société humaine que nous vivons, il y a aussi une loi qu'on appelle la loi de la nature, l'équilibre naturel. C'est-à-dire, la démographie qui consiste à gérer un groupe de gens dans une société qu'ils ne dépassent pas. Vous savez, en 2018, le nombre de la population planétaire était arrivé à 7 milliards de personnes. Mais ne vous en faites pas, les Chinois sont plus de 2 milliards actuellement. Les Indiens sont plus de 1 milliard 500 millions. Les Nigériens sont déjà à 200 millions. Les Américains sont déjà à 310 millions. Les Congolais à 85 millions. Vous comprenez, le Français à 65 millions déjà. OK? Vous comprenez, les Égyptiens à 6 millions déjà. Vous comprenez, c'est ça la démographie planétaire. C'est-à-dire, comme il y a plus de gens dans le monde, il faut éliminer le faible pour laisser le fort continuer à vivre et à servir le monde. C'est par là qu'ils ont créé ce fameux COVID-19, une arme chimique ou biologique pour éliminer certains gens qui ne sont pas forts.
C'est comme la loi de la nature, le fort domine le faible et le faible sont engloutis par le fort, mais le fort aussi protège le faible. C'est ça que j'appelle la loi de la nature. Et Pierre, je vous ai fait compris jusque-là. Alors, si tu as une autre question à me poser, pose-la, je suis là, on essaiera un peu d'en parler. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains étaient au courant. Les Américains étaient au courant, les Chinois, tout et tout. Il faut commencer par la Chine. Vous savez bien, le président Xi Jinping, le nouveau président chinois, a donné un décret ou une loi, qu'en 2020, il y aura plus de 20 millions de Chinois qui vont quitter la Chine pour aller vivre ailleurs et ils vont tout faire pour retirer la nationalité chinoise à ces gens-là. C'est-à-dire les Chinois qui vont quitter en 2020 que nous sommes, la Chine pour aller vivre ailleurs, ne seront plus des Chinois. Comme je vous ai dit que actuellement la population de la Chine est atteinte le 2 milliards d'habitants. Que personne ne vous trompe. Et vous savez, il y a eu combien de morts en Chine? Ça s'appelle les statistiques de la densité d'une population. Parce qu'ils ne vous ont pas donné les chiffres, mais ils ne le feront même pas. Ils ne le feront même pas. Donner les chiffres, ils ne le feront même pas, c'est moi qui vous dis. Les Chinois sont morts au-delà de 410 000 Chinois. Je dis bien au-delà de 410 000 Chinois. Vous comprenez maintenant? Avant ça, ou à part ça, la mort qui est subie par le Covid-19, il y a un groupe de Chinois qui sont aussi musulmans, qui sont massacrés jour et nuit. Voire même ces Chinois qui sont musulmans quittent la Chine pour aller étudier à l'étranger. Mais le gouvernement chinois les traque même jusqu'à l'étranger. Les gouvernements chinois les traquent même jusqu'à l'étranger. Comme je vous ai dit, les Chinois avaient déjà tout ce qu'il faut. Ils avaient le Covid-19 dans un laboratoire. Ils savaient le manipuler. Mais c'était le moment maintenant de lancer ce fameux virus dans la nature pour diminuer un peu quelques Chinois qui sont faibles. Alors, c'est quoi le syndrome? Le syndrome de cette fameuse maladie. Le syndrome, c'est des signes qui caractérisent une maladie. Soit la fièvre, le rhume, le maux de tête, une fièvre éruptive, une diarrhée. C'est ça qu'on appelle le syndrome, c'est-à-dire les signes qui caractérisent une maladie. Comme en lingala, on dit bilembo et laksakabokono. Ok? Tellement je fais de vidéos trop en français, j'arrive plus à bien expliquer en lingala. Mais ne vous en faites pas. Donc ne vous en faites pas. Eza le kotonangaye. Donc voilà, comme je vous ai dit. Il y a Pierre le Grand qui dit comment tu laissais. Tu peux nous donner la référence. Donc arrêtez de poser ce genre de questions. C'est comme si mes enfants me posaient, tout le monde, tous les enfants posent les questions et j'arrive pas à répondre. À qui je peux répondre, à qui? Donc ça vraiment, moi je vous donne de petits secrets en quelque sorte entre nous. Je vous donne de petits secrets. Alors, les Chinois, ils ont lâché le virus dans la nature en essayant de contrôler ces virus, voilà, en essayant de contrôler. Vous allez voir dans les images, si vous avez vraiment été devant la télé ces 3 semaines passées, vous allez voir que les Chinois, il y a un groupe de scientifiques chinois qui portaient le scaphandre. Les scaphandres, ce sont des vêtements spécialisés, ok? Qui désinfectaient la nature, c'est-à-dire le riz chinoise, le riz de maison désinfecté avec des produits tellement toxiques qu'on appelle les DDT, diclodiphénal trichlorectane. Alors, avant, en Afrique, on l'utilisait comme un pesticide pour tuer des petits insectes qui rongent nos légumes. Et c'était mauvais depuis ce temps-là. Ce fameux médicament a été
inscrits dans le domaine agricole. Mais les Chinois, non, toujours. Et les Chinois l'ont utilisé pour détruire le COVID-19. Si vous n'avez pas vu les images, moi je peux créer des images YouTube MP4 et je vous balance sur mon mur. Ne vous en faites pas, c'est facile à faire. 2 minutes, je le crée, MP4, je balance sur mon mur et vous aurez des images comment les autorités chinoises ont désinfecté la nature avec des produits toxiques, hautement toxiques. Mais là, il faut se poser des questions. Pourquoi pas aller chez les gens qui sont porteurs de ces virus au lieu de désinfecter la nature? Est-ce qu'il existe aussi un virus qui peut se déplacer dans l'air ou dans la nature? Oui. Un virus, quand il est utilisé comme une arme chimique, ça peut se véhiculer dans la nature. C'est possible. Il existe dans le monde une bombe qu'on appelle le bombe HH. Illustrons l'exemple de bombes atomiques dans deux grandes villes japonaises comme Nagasaki et Hiroshima en 1945, larguées par l'armée aérienne américaine. Mais vous n'avez pas des informations sur cette bombe? La bombe a été posée sur deux grandes villes, Nagasaki et Hiroshima. Vous savez, le Japon, ce n'est pas un pays. C'est plusieurs îles rassemblées pour créer le pays qu'on appelle le Japon. Ok, il y a plus ou moins 63 îles. Donc les Japonais se déplacent soit par bateau, soit par avion. Il n'y a pas des autoroutes liées entre Tokyo et Nagasaki. Il n'y en a pas. Il y a de tout petites villes dont les autoroutes ont lié les villes, mais des grandes villes ne sont pas liées par des autoroutes. Donc le Japon, c'est l'ensemble de plusieurs îles qui créent ou qui fondent ce fameux pays que nous appelons le Japon. Alors, si vous voulez bien voyager au Japon, un conseil gratuit, d'abord, il faut avoir là où dormir, là où mettre sa tête. Les hôtels, les maisons sont très, très, très compliquées au Japon. D'ailleurs, le visa pour aller au Japon est aussi compliqué. J'ai eu la chance, en 2015, de visiter le pays du soleil levant. Les Japonais, leur culture, vraiment ils ont copié, ils ont fait des copies-collées avec l'Afrique. Il y a toute une civilisation africaine chez les Japonais. Et d'ailleurs, vous allez voir même leur écriture s'écrit comme Lingala. Donc le U au Japon c'est U, comme en Lingala c'est U. Vous comprenez? Les Japonais ne mélangent pas de mots comme l'alphabet français pour créer un son. Par exemple, pour créer « mu », le français mélange les « m », le « o », le « u » pour créer « mu ». Mais les Japonais ne le font pas. Ils mettent seulement « m », « e », « u » et ça fait « mu ». Donc, pour lire les Japonais, c'est comme si vous lisez Lingala. C'est tellement facile comme Lingala. Et d'ailleurs, vous allez voir leur nom, Kawasaki, et ça s'écrit « K-A-W-A-S ». Un seul « A-S ». Or que pour faire les « ça », en français, il faut 2 S. Pour faire le Z en français, il faut soit Z, soit un S. D'ailleurs, je comprends bien qu'il y a pas mal de professeurs de français devant moi qui comprennent plus que moi. Donc voilà, c'était juste une parenthèse sur le cours des grammaires. Donc voilà, les Japonais, la langue japonaise est magnifique, c'est comme Lingala. J'ai lisé des choses où je comprenais même pas. Les gens, mais comment tu sais lire notre écriture? Moi, je dis, mais c'est une écriture, on dirait, qui vient d'Afrique. On dirait, il y a quelque chose de mélange avec le japonais, leur manière de se saluer, leur manière de, vraiment, il y a du Congo là-bas. Il y a la politesse, tout et tout. Les gens enlèvent leur casquette pour saluer les aînés, les parents. Mais je dis, mais on est où là? On est à Kinshasa, au Congo, ou bien on est. Donc, vraiment, les Japonais. Mais sauf que les Japonais, il y a une loi au Japon que les femmes ne peuvent pas épouser des étrangers. Parce que j'étais tombé à une mademoiselle. Elle était jolie. Très jolie, vraiment. Je voulais juste m'amuser, draguer, tout et tout. Elle m'a dit, malheureusement, il y a une loi ici au Japon. On ne peut pas sortir avec des étrangers. Mais la femme était, oh, c'était une Congolaise. Si on la mettait seulement la peinture noire sur le visage, vraiment, c'était,
Vraiment, c'était une mouyanzi ou bien mouyombe. Donc, voilà, je suis pas là pour faire un peu d'humour. Donc, on continue avec ce fameux virus qu'on appelle COVID-19. Alors, les Chinois ont vraiment réduit la population chinoise. Je dirais non, le coup a été raté. Voilà, parce que l'objectif était de réduire plus ou moins 2 millions de Chinois. Même si on comptabilise le reste du monde par rapport à leurs morts, on n'aura pas un chiffre vraiment proche d'un million. Donc on n'aura pas ça. Mais quelqu'un m'a dit que le pire arrive encore. Alors, pour l'Afrique, pourquoi il n'y a pas eu assez de morts en Afrique? Parce que l'Afrique, avec la démographie africaine, on compte aujourd'hui 1 milliard des Africains. Et si vous suivez bien des informations lors d'un discours de Nicolas Sarkozy, pendant son quinquennat, je sais pas, en 2000, c'était en 2000, en 2000, 2000, 2009, 2000, non, 2000, 2008, 2009, parce qu'il est arrivé au pouvoir en 2000, en 2008, quelque part comme ça, parce qu'il y avait un débat entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, je m'en souviens bien, c'était entre 2008 ou 2009. Donc quelque chose comme ça, je n'ai pas vraiment des dates précises dans ma tête. Alors, Sarkozy avait bien dit que non, il n'y a pas seulement le réchauffement planétaire qui est mis en cause dans tout ce que nous vivons actuellement comme conséquence naturelle. Il y a aussi la démographie du monde. Il y a plus du monde aux gens. Il faut éliminer certaines personnes qui ne sont pas utiles dans la société mondiale. Alors, il y a eu des savants, il y a eu des hommes intelligents, il y a eu des scientifiques à l'époque en Europe qui ont tout fait pour exterminer les Africains. Vous savez, pendant la colonisation africaine par les Européens ou par l'Occident, au Congo, il y a eu des crimes où la population congolaise était à 20 millions. Le roi de Belge, qui s'appelait Léopold II, avait tué plus de 10 millions de Congolais. Donc, il avait éradiqué la moitié de la population interne du Congo de cette époque. À l'époque, il y avait l'invention de l'automobile. Le marché était bondé sur la demande du caoutchouc pour fabriquer du pinet. Nainanana. Alors, le mec avait mis en place un quota de 40 kilos de caoutchouc par jour ou par famille. Et c'était des hommes qui partaient à la recherche de caoutchouc dans la forêt équatoriale, et il y avait beaucoup de problèmes dans la forêt. Il y avait des panthères, il y avait des crocodiles, il y avait des serpents, il y avait, et les gens se faisaient engloutis par des panthères, des gorilles, des trucs comme ça. Et quand vous ne portez pas les 40 kilos demandés comme quota, ils coupaient les Congolais le main. Alors, il y a eu pas mal d'essais cliniques ou des tests cliniques qui se sont réalisés au Congo sur des populations congolaises. Donc, à quoi sert de chercher des cobayes qui sont des animaux ou des chimpanzés ou nanana? Des Congolais sont là comme des chimpanzés. On peut faire des essais cliniques sur ces gens-là. Alors, ce truc est resté dans la tête de pas mal des Occidentaux. Ils croient que le monde est toujours comme si on était en 1842. En 1883, lors du partage d'Afrique à Berlin, où tout le monde cherchait à prendre sa part, nanana, comment coloniser les Africains, tout et tout. Et vous savez pourquoi la démocratie ne marche pas en Afrique, nanana. Est-ce qu'il y a des gens intelligents en Afrique? Si, il y a des gens intelligents. Est-ce qu'il y a des savants en Afrique? Oui, il y a des savants en Afrique. Est-ce que les Africains peuvent inventer, créer, procréer. Oui, les Africains sont comme des. Ce sont des humains. Les Africains, d'ailleurs, le reflet de Dieu, l'image de Dieu, c'est l'ombre. Dieu, on ne voit pas Dieu. Mais Dieu, c'est noir. Noir, c'est Dikala. Dikala, c'est Makala. Et d'où vient ces mots-là entre Dikala, Makala? C'est noir. Ça signifie Dieu. On dit que les noirs, c'est mauvais, c'est l'ombre, c'est une mauvaise couleur, et c'est la couleur du corbillard, c'est la couleur de la nuit, c'est la malchance, c'est naïnanana. Mais pourquoi lorsqu'il y a un deuil, on porte le vêtement noir? Pourquoi les gens préfèrent acheter une voiture de la couleur noire qu'une couleur blanche? Il y a moins de gens, hein, qui roulent avec des voitures couleur blanche, moins de gens, au moins quelques femmes qui en préfèrent, mais c'est rare. Hein? Mais la plupart des gens préfèrent une belle caisse
couleur noire, parce que la couleur noire, c'est la beauté, c'est l'image de Dieu. Alors voilà, l'Occident a tout fait pour neutraliser le noir, les Africains, parce que la première grande civilisation du monde, c'était la civilisation africaine. On parle alors de l'Égypte antique, à l'époque avec un grand roi africain qui s'appelait Akhenaton, dont son fils était Toutankhamon, qui a dirigé pas seulement l'Afrique, mais l'Asie aussi. Le monde ou le continent qu'on appelait les Kanaha. Les Kanaha, c'était un continent africain, y compris une partie de l'Asie. L'Arabie Saoudite, Yémen, la Syrie, Jordanie, Iran, Irak et la Turquie, c'était des pays dirigés par Toutankhamon. Donc l'histoire de Moïse avec la fameuse mer Méditerranée qu'il a donné un coup de bateau pour faire traverser les gens, c'est quasi impossible et archi faux. Vous savez la distance qu'il y a entre Jérusalem et Alexandrie, la deuxième ville économique égyptienne, c'est juste 615 kilomètres. Il y a un désert, et le désert là avec un chameau, de quitter Alexandrie en Égypte pour aller en Israël, vous avez juste 3 jours de marche. À pied, vous avez 2 semaines. Mais, soi-disant, dans l'histoire de Moïse, il a fait 40 ans de marche. Et il n'a même pas. Donc, les gars, Dieu a créé le monde. Il y avait de côté les Égyptiens, de l'autre côté des Palestiniens. Ce sont des gens qui sont nés frères ou voisins. Donc voilà, il n'y a pas eu David, il n'y a pas eu Moïse, il n'y a pas eu nanana. Mais ce qui était eu, c'est Toutankhamon dont son corps se trouve aujourd'hui dans une musée française. Les Français ont essayé avec, à l'époque, Napoléon III qui avait envahi l'Afrique, si vous n'avez pas l'histoire. Napoléon a envahi l'Afrique. Il a arraché pas mal de statues africaines et il a ramené ça en Europe. D'ailleurs, le nom Paris. Paris vient du mot d'Isis. Isis, vous connaissez? Isis et Horus. Isis, c'était le fils d'Horus, dont son fils était, entre guillemets, la personne qu'on appelle Jésus aujourd'hui. Le fils de Mariade. Le fils de Marie, comme ils ont falciné, façonné l'histoire d'Afrique, et ils ont coupé le fils en 12 morceaux. Ils ont jeté dans l'océan Indien. Et sa mère a plongé sous l'océan pour chercher le corps de son fils sur 12 morceaux. Elle est sortie avec 10 morceaux et les 2 morceaux, c'était la tête et le cou, ne sont guère retrouvés. Et à partir de cela, sa mère s'est transformée en un aigle. Le symbole de Toutankhamon, c'était l'aigle. C'est pour cela, dans l'emblème américaine, vous allez voir, il y a une aigle. Pourquoi l'aigle? Parce que c'était une grande vision. La vision sort du pyramide. Le triangle du pyramide, où il y avait l'œil de Dieu, il y avait l'antenne pour communiquer avec l'au-delà, avec les anges de Dieu et avec le Vierge Noir. Et d'ailleurs, le Vierge Noir sont transformés à de vierges blanches et à une vierge Marie qui n'a jamais existé. Alors, voilà le nom Paris qui vient d'Afrique sur le nom de d'Isis, Osis, le fils d'Horus. Alors, cette histoire n'est guère connue par des Africains et même qui croient que Jésus revient bientôt, qui croient qu'en priant Jésus, ils sont sauvés, ils ont parti. D'ailleurs, ce sont des Africains qui ont inventé l'histoire du paradis et de l'enfer. Ce sont des Africains qui ont inventé l'histoire du paradis et de l'enfer. La résurrection, l'incarnation existait déjà bel et vieux depuis la création du monde. Est-ce que il y a vraiment des extraterrestres qui communiquent avec des Africains? Où sont cachés le secret du pouvoir africain laissé par le Dieu, le Créateur? Il y en a sous les racines de certains arbres, au Mali, au Sénégal, au Congo Kinshasa, à Boma. Et il y a même des gens de 200 ans, 300 ans, qui sont toujours là, parmi nous. Ils sont là. Ce sont des gardiens de livres,
du livre sacré de Dieu que les Africains utilisaient depuis l'époque de Toutankhamon, depuis l'époque d'Akhenaton, d'Horus et d'Isis. Voilà combien Paris porte encore du nouveau une pyramide que vous ignorez, la tour Eiffel. C'était un schéma qu'ils ont volé dans une pyramide d'un roi en Égypte. Alors les Français voulaient aussi créer une pyramide en pierre, mais par contre, ils se sont dit c'est quasi impossible. Est-ce que les Africains sont réellement intelligents? Je dirais oui. Est-ce que les Africains ont jusqu'alors le pouvoir de développer l'Afrique? Oui. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, ça vous paraît un peu impossible de voir que l'Ebola qui tuait les Africains, le paludisme qui tuait les Africains, pas mal de maladies, sida, nani, nanana, qui tuaient, qui ravageaient les Africains, de familles, de milliers de gens. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous allez me donner raison, au bout de 20 jours, il n'y aura plus de morts africains sur le Covid-19. Ceux qui sont morts, la plupart, étaient à l'étranger, ils se sont retournés en Afrique avec leur maladie. Mais il n'y aura pas des Africains. D'ailleurs, les Africains sont vraiment exposés à eux-mêmes, soldés à eux-mêmes. Si c'était le cas, on allait dire compter des morts par milliers en Afrique. Mais Dieu est dans notre camp. Vous savez l'histoire de fameux homme de Dieu qu'on appelle Kimbangu, qui avait prédit un jour que je vous dis en vérité, l'homme noir deviendra l'homme blanc et l'homme blanc reviendra l'homme noir. C'est pas dit que nous, les noirs, nous deviendrons le blanc. Non. C'est-à-dire, tout ce qui est domination des hommes sur la terre serait l'inverse. Ce sera alors l'homme noir qui sera au contrôle du monde et l'homme blanc deviendra faible devant l'homme noir. C'est une prophétie laissée par le prophète Kimbangu. Alors, aujourd'hui, vous croyez que ce virus s'est volatilisé dans l'air? Oui! Et oui! Pourquoi on vous demande de porter le masque? Pourquoi on vous demande de rester chez soi pour ne pas avoir contact avec l'air qui est en dehors? Le mot confiné, ça veut dire quoi? Ça veut dire rester à la maison, fermer les fenêtres et les portes. Pourquoi? Pour que l'air qui est à l'extérieur n'entre pas chez vous. Le virus circule dans l'air. Que personne ne vous trompe, c'est une arme chimique qui s'est déclenchée en Chine. Et il y a eu des milliers de morts en Chine, que personne ne vous trompe. Et vous vous demandez pas comment ces fameux virus s'est déplacé de la Chine pour l'Italie, pour la France. Vous allez dire que c'est des avions qui... Mais pourquoi les pilotes ne sont pas morts? Les pilotes qui conduisaient ces avions, pourquoi ils ne sont pas atteints? Si réellement... Cette maladie est transportée où les agents vecteurs de cette maladie-là, c'était des avions, où les gens contaminés étaient dans des avions. Pourquoi de personnel des avions, de femmes qui servaient les gens dans les avions ne sont-ils pas contaminés? C'est une bonne question qui nécessite une réponse. Alors, il y a Pierre le Grand qui dit qu'à l'époque, lors du fameux discours de Nicolas Sarkozy, il n'avait pas parlé de gens qui ne sont pas utiles. Ben oui, mon frère. Je vous ai parlé, je vous ai expliqué de l'équilibre naturel, la loi de la nature. Où le fort domine le faible sont aussi protégés par le fort, nanana. Bon, je ne vais pas y revenir encore en arrière, ça ne sert à rien, donc... je ne vais pas aussi vous prendre beaucoup de temps. Il nous reste 2 à 3 minutes pour finir cette belle vidéo, pleine d'humour, pleine d'illustrations, pleine d'explications. Voilà, pleine de connaissances. Et n'oubliez pas de partager cette belle vidéo parce que moi, du coup, quand je finis mes vidéos, je la supprime directement sur mon mur. J'aime pas saturer mon mur par des vidéos. Vraiment, ça, je n'aime pas. Parce que demain, je suis du boulot, je dois aller au boulot demain. Et je rentre qu'à 19h, donc ce serait un peu impossible de faire une vidéo. Donc voilà, pour aujourd'hui, vous êtes vraiment gâtés. Et je vous embrasse partout dans le monde où vous me suivez à ce moment.
Comme je vous ai dit, appelez-moi Google comme vous voulez. Mon nom est Sapo Lobwele. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.